Et c'est maintenant qu'il faut faire les efforts, en fait, pour maintenir un niveau de vie agréable pour les Dakarois. Ça veut dire infléchir la courbe de croissance de l'automobile et avoir des transports collectifs de qualité. C'est pour ça que nous avons déjà les premiers scénarios qui commencent à sortir du réseau capacitaire de Dakar, Horizon 2035. Et c'est cet avenir, Excellence, qu'on veut construire avec vous, en vous remerciant pour votre temps, en remerciant les ministres, et vous dire que notre portefeuille de projets est plein et tient compte des enjeux de transition énergétique numérique pour faire des villes inclusives, résilientes au changement climatique. Ce projet est très important pour le peuple de Dakar. C'est la deuxième fois que je suis ici. La première fois était en 1988. Le transport est très important pour le peuple aller au travail. Merci à tout le monde. Ce projet BRT qui découle de la vision du chef de l'État dans la dynamique d'amélioration de la mobilité urbaine au niveau de Dakar est un projet important et intégrateur qui va contribuer effectivement non seulement à désenclaver la banlieue mais à apporter une réponse par rapport à la problématique du transport. Et comme vous le savez, le BRT est une partie prenante même du TER. Est-ce que le BRT va contribuer à alimenter en termes de passagers le TER? Aujourd'hui, nous avons reçu la visite du président de la Banque mondiale, M. Malpass, pour venir un petit peu voir l'évolution des travaux sur les infrastructures et les systèmes. C'est un trait vraiment qui fend un petit peu les grands boulevards de Dakar et qui va l'améliorer non seulement en termes d'environnement, mais aussi d'aménagement paysager. Et cela contribuera effectivement au développement donc, de la ville de Dakar.